Vinokourov, qui plonge à la gauche, suivi de Thomas Vauclair. Vinokourov, Vauclair et Gilbert. Alors Vino qui rêve de jaune. Thomas Vauclair dans la roue de Vinokourov, Gilbert. Attends, 7e position. Le Brock essaie de peser. Eh, c'est pas Gilbert qui va ramener cette fois. Evans devant le maillot vert. Vauclair, Vauclair sur la gauche. Et là, Contador aussi. Vauclair va attaquer sur la droite. Ce que vous voyez sortir, Thomas Vauclair. Vauclair. Ça rappelle des souvenirs. Vauclair. C'est dur, c'est arrivé. Vauclair, on se croirait à Québec. Vauclair. Qui parle. Et à ses hommes, on l'a vu. Kilomètre 45-7, à kilomètre 45-7, de la fin, à 45 km, et puis ensuite, Roy et tout est suivi par Thomas Vauclair. Ils partent à l'attaque. Et puis ça, on n'est même pas déchiré. Plusieurs ascensions, celle-ci est un deuxième catégorie. Et Thomas Vauclair, vous avez bien ça. Sanchez n'entre pas leurs yeux. Dans cette course, à Saint-Flou. Eh bien, Vauclair s'est occupé de Louis. Léon Sanchez. 14 heures de Jean Louis Léon Sanchez s'en va vers une troisième étape derrière. Ce maillot 7 ans après, vous en rêviez, mais est-ce que vous l'imaginiez? Non, j'en rêvais même pas, à vrai dire. J'en rêvais pas parce que c'était pas dans mes plans, mais j'avais pas de plan en fait sur le tour. J'ai dit que je faisais au jour le jour, selon les sensations. Alors par exemple, hier, vraiment, j'avais pas de bonnes jambes. Comme je l'ai dit, je me suis quand même fait taper dessus toute la journée, et puis ben, j'ai limité les dégâts, quoi. J'ai fini à 30 secondes, je me suis battu. Et puis ben voilà, si j'avais un peu baissé les bras en me disant tu verras demain, termine tranquille, eh ben j'aurais pas le maillot aujourd'hui quoi. Sanchez aurait été devant moi au général, donc voilà, c'est ne rien lâcher, sans fait, quand il y a des opportunités, essayer de les saisir. La partie et ça surtout. Thomas et
Johnson. 4,26, ça n'en durera pas 50 secondes. 4,56, il va y avoir 30. Ce qu'ils te font, de longues processions qui montaient vers la montagne assistée au. Il dit avoir. C'est pour avoir. Ah, c'est admiratif. Tout chien. 32,7 km/h la moyenne de l'état. C'est la première victoire de l'année. Il a le classement. Oui, je trouve que c'est tout ce qu'il avait. Deuxième du tour, Cadel Evans deux fois deuxième du tour. Il y en a un des deux qui va gagner le tour et puis il y en a un autre qui va encore faire deuxième. Thomas, très joli qui a connu un tour exceptionnel, 10 jours en jaune. Oh, exceptionnel, qui a fait un grand tour, qui inespéré même. Dommage qu'hier dans la défaillance, mais je mets ça dans même dans un effort extrême de défaillance et déception. A eu quelques réactions, quelques comportements pas dignes d'un champion. Ça, c'est la fatigue. Hier, il y a eu des réactions à plusieurs reprises vis-à-vis de
ses équipiers vis-à-vis de son directeur sportif, Palance. Je revois cette image au sommet du verre, l'étape, ce qui est passé, mais qui aurait dû partir aujourd'hui pour le podium, pour jouer cette troisième place. Je suis convaincu.